Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est AZKM Simon, surtout pour la nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle review très 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 spéciale parce que pour ma part, c'est ma figurine préférée. Je vais bien entendre parler du Studio Series 54. Alors, je vais analyser la boîte. Alors, la boîte, hein, la taille normale d'une boîte de leader de. De Voyager, hein. Donc c'est fait par Hasbro et Takara. C'est une figurine authentique. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est quand même un poil plus grand que les boîtes Voyager. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à tout vous filmer la boîte là. Bref. Donc là, on a une image de Mégatron. Et la tête, c'est en rapport avec la figurine, mais il y a un problème avec la tête. La face, voilà, la tête de la bête. Derrière, on y revient plus tard. Et puis là, on a le gros plan sur le corps. Voilà, avec encore ce petit symbole Autobot. Pourquoi? Je sais pas. Alors. Donc là on a l'alt mode, un jet cybertronien, et là on a la figurine. Donc taille, apparence et décor inspiré du grand écran. La bataille de Mission City. Et puis en bas c'est noté. Mégatron parcourt les cieux à la recherche de Samu et Twiki et de l'étincelle suprême. Alors on se met au clair. C'est quoi l'étincelle suprême? Hein? Non mais... J'aimerais savoir c'est quoi cette étincelle suprême. Bref, il se transforme en 21 étapes et je vais vous présenter le décor de suite. Et bien voilà le décor, lui aussi est très grand. Voilà. C'est le décor, le même décor que Jazz. Je pense que ça va être le même décor pour toutes les figurines du 1. Voilà. Donc avec le petit socle, voilà. Donc je vais vous présenter la figurine de suite, hein. Voilà la bête, elle est magnifique, gigantesque. Elle fait genre à peu près la taille d'un leader, parce que j'ai mesuré. Elle fait à peu près la taille du Shockwave Leader classe Studio Series. Elle est magnifique. Alors je vais commencer par vous présenter son arme, l'arme qui est livrée avec un fouet. Alors, je ne vois plus l'utilité. Hein. Un fouet, je comprends pourquoi un fouet d'ailleurs. Pourquoi ils nous ont mis son fouet, qu'il utilise trois fois, tout cassé dans le film. À la place, ils auraient pu nous mettre le gros canon là qui. Je sais que celui-là, il l'utilise pas beaucoup aussi, mais. Le gros canon là qui était là, qui forme là, l'énorme canon là. Genre, c'est plus Mégatron, un fouet. Enfin, il n'utilise jamais de fouet dans la G1 ou quelque chose dans ce genre. Peut-être que ça veut représenter l'espèce de massue bizarre qu'il y a dans la G1, bref. J'y vois pas l'utilité. Vu que c'est un jouet, il y a des enfants, quand ils vont jouer avec, ils risquent d'enlever l'embout. Hein, parce que, voilà, on peut enlever l'embout. Où est l'utilité? Aucune idée. Ce n'est utile en rien. Voilà. Déception. Voilà. Ce fouet bien détaillé, hein, j'ai rien à dire. En plus il est malaxable. Hein. Voilà. Mais pourquoi le fouet? Hein, pourquoi le fouet? C'est moi qui vous le demande. Bref, passons à la figurine. Alors la figurine en elle-même. Elle est très grande. Elle pèse un certain poids, tu vois, la figurine, elle en pèse. Hein. C'est un Voyager classe typique, hein. C'est une des vagues récentes en plus. On va passer tout de suite aux articulations. Alors, les orteils peuvent bouger. Voilà, il y a derrière aussi. Là. Mais ça, c'est plus pour la transformation. Là, il peut faire un 360 et bouger ici. Voilà. Là, il peut bien bouger. En termes de grand écart. En termes de grand écart, Jean-Claude Van Damme, ça donne ça.
T'es obligé. Les bras. Alors, l'articulation des épaules, elle est dure. Elle est pas si souple que les jambes ou ça là. C'est un peu plus solide. Là, ben là, tu peux bouger ça. Tu peux le tourner et tu peux rentrer le bras. Tu peux enfin articuler la main et le même le faire rentrer dans le bras. Pareil de l'autre côté. À propos de la tête, elle a, bah, et en fait, vu qu'elle a un truc en boule, un port boule, la tête peut bouger vraiment bien. On peut lui tourner la tête, mais petit défaut, ça bloque l'articulation, mais c'est en rapport avec la transformation. Voilà. Ça, c'est dommage. En termes de point de vue, elle est grande, hein. En termes de point de vue de face, de profil, de dos, de profil. Et le seul point faible où il y a des petits problèmes, c'est celui-là. Je pense que vous voyez où est le problème. Là, c'est bizarre parce que là, t'as une plaque. Bon, c'est surtout votre transformation. Là, c'est vide, tu vois à travers. Là. Coucou. Là, pareil de l'autre côté, un peu, tu vois à travers. Et puis, c'est du chipotage pour rien, mais tu peux voir un petit peu à travers. Voilà. Ah, c'est quand même vide. Il y a plein de trous qu'ils auraient pu boucher sur la figurine. Mais ils ont rien bouché. En termes de peinture, la figurine, elle est bien détaillée partout. Ce qui est grave cool sur la figurine, c'est que c'est du silver qu'il y a à peu près partout. C'est en silver, du coup, je trouve que la figurine, elle est magnifique. Peut-être que le tibia de la figurine, les tibias de la figurine sont un peu trop épais, voilà, un peu trop gros éventuellement, mais sinon ça passe. Il y a peut-être un ou deux endroits où la peinture aurait pu être mieux faite, c'est-à-dire là ils auraient pu mettre du silver. Je vois pas pourquoi c'est pas en silver ici, c'est juste en gris clair pas beau. Et là c'est couleur caca vomi, ça fait c'est pas du tout esthétique, voilà. Surtout que devant, c'est en silver. Voilà. Petit défaut encore sur la figurine. Les mains sont en caoutchouc. Bon, solide. Hein. Mais c'est du caoutchouc. Voilà, ça reste très souple. Voilà. Je me suis dit que ça aurait été cool s'ils auraient livré une petite figurine avec d'un Sam ou Tuki avec l'étincelle suprême. Moi, je pense que c'est plus que c'est le All Spark. C'est avec le All Spark ou des petits militaires. Non, mais ils ont pas livré les petits militaires avec, mais ça aurait été marrant. Le mode d'emploi en papier recyclé. Donc moi c'est écrit en japonais parce que je l'ai en Vietnam, vu que je l'ai commandé sur Yakon Store. Voilà, c'est un bon service de commande et de livraison, je vous le conseille. Alors, donc hein, c'est bien détaillé. Ah, hormis quelque chose que je dois absolument vous faire part dans la transformation au terme du côté des jambes qui est pas précisé dans la transfo. En gros, dans la transfo, ils vous disent que là, avec les tibias, il faut monter ça, puis tourner ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas du tout ça. Sinon, vous allez avoir votre figurine déglinguée. Déglinguée. Mot pour mot, déglinguée. Hein. En fait, il ne faut pas commencer par ça. Non, 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 non. Il faut commencer par tourner le truc et puis sortir les ailes. Voilà.
prenez bien ça en compte pour pas que votre figurine soit éclatée. Maintenant qu'on y est, on va commencer par les jambes, parce que eux ils vous disent de commencer par le haut. Moi je commence par les jambes. Voilà. De toute façon, on s'en fout de l'ordre. Voilà. Donc là le truc c'est qu'il faut tout déplier. Voilà. Attendez. Voilà. La transformation aussi est gigantesque. Elle est énorme. Donc là vous dépliez tout sur les ailes. Là vous sortez ce petit bitonio. Là vous pliez, vous repliez. Vous arrivez là et en fait là dedans il y aura un petit port où faudra rentrer le truc. Pour moi ça se rentrait très souvent tout seul. Et puis normalement ça vous donne ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous dépliez. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, donc là maintenant qu'on a fait le bras, je recule un peu le backdrop parce qu'il y a beaucoup à regarder sur la figurine. C'est un gros problème. La figurine, il y a un gros problème avec sa taille. C'est un voyageur alors qu'elle fait la taille d'un leader. Voilà, donc voilà les jambes là. En plus, après, il faut faire en sorte de mettre ça là et de plier ça pour que ça vous bloque. Et après, normalement, ça vous donne ça pour les jambes. Après, on va passer à l'avant. Là, on va un peu monter le focus de la caméra. Alors, déjà, pour commencer, vous allez devoir mettre les bras en taille, comme ça. Ensuite, vous irez avancer le bras. Ça va vous donner ça. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une fois ça de fait, vous allez retourner la figurine, lui prendre le dos, lui arracher le dos. Voilà. C'est bon. Une fois ça fait, vous lui sortez l'artillerie qu'il a là. C'est-à-dire. Tac. Ah, voilà. Comme ceci. Ah, mince, j'ai oublié le bas. Voilà. Faites comme ça. Là, avec la tête, pour l'instant, vous touchez. Là, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir remettre les bras en taille, autour sur la taille, et descendre ça pour le mettre dans le corps. Donc, vous faites pareil de l'autre côté, là. Là, vous les mettez comme ça, c'est plus facile pour après. Là, la tête, vous la prenez, vous la tournez, et vous la poussez. Voilà, normalement elle doit bien arriver dans le corps. Là vous poussez le haut et là faut un peu tourner et c'est là qu'il y a une étape plutôt compliquée. Voilà, en gros il y a un petit port, il est si petit que je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais il est là. Il est tout petit et vous devez clipser ce bout là dedans et ça tient pas beaucoup. Du coup le truc c'est qu'il faut, ah pardon j'ai oublié, juste il faut rétracter les mains sur le truc, c'est qu'il faut mettre de la force et essayer de faire les deux en même temps en poussant le haut et le tibia. C'est hyper compliqué. Une fois que c'est fait, vous vous dépêchez de rétracter les ailes, parce que du coup c'est à dire que c'est ok. Du coup là vous pliez le genou. Allez. C'est tout le temps très dur de faire ça. Hop, là en fait il y a un petit port, vous allez caler les deux. Hop. Ah bah ça veut pas. Allez, mais clipse-toi. Voilà. Là avec l'aile vous allez la tourner. Et faire en sorte que ça soit là-dedans. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Parce que sinon, ça se clipse pas bien. Et toute l'aile est déréglée. Voilà. Donc, tout est clipsé. Tout est ok. C'est bon. On a fini la première aile. Voilà. Donc, si c'est pas droit, hein, vous vous occupez de ça à la fin. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Allez. Tu te clipses, Michel. Michel, Miguel, comme tu veux.
Allez, allez, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ça s'est éclipsé. Maintenant, on retourne les ailes et on. Et oh, et voilà. C'est une pleine réussite. Oh, non? Si? Non? Oui? Non? 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 Oui. C'est bon, c'est réussi. Là, vous tournez pour que les mains soient symétriques. Et puis après, vous essayez de mettre droit. Oh, attendez. Il y a ça qui est pas bien. Allez. Oh non, j'ai tout cassé. Bon, quand j'aurai les retours réglés, les bras, les jambes, je reviens. Voilà, j'ai bien réglé les jambes. Maintenant, vous mettez en symétrie les ailes. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous clipsez l'aileron qui est à l'arrière, entre les deux. Le clip est ici. Voilà, vous l'éclipsez. Et puis, vous avez votre Mégatron transformé. Hein, je vous le mets comme ça. Il en jette. Voilà. Il claque sa race. C'est une très très belle figurine. Personnellement, c'est ma préférée. Elle est très grosse, hein, mais c'est ma préférée, ma favorite. Donc, moi je vous dis bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, je vous dis bye.